Salut à tous, c'est Fabkick. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai posté une vidéo de glitch en solo grâce à mon collègue La Machine, dont je mettrai sa chaîne en description. Mais comme vous avez pu le voir en début de vidéo, mon élégué rétro custom était à côté de moi et en plus on n'a pas vu la plaque d'immatriculation. Donc même moi je me suis dit, si je vois une vidéo comme ça, je vais croire qu'elle est 100% fake. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun véhicule à moi autour de moi. Donc les gars, je vais refaire le glitch et je vais retirer l'une des deux vidéos, voir les deux bien sûr s'il n'y a pas de vue, comme d'hab. Donc là, je vais refaire le glitch, à part que je vais refaire tout depuis le début. Donc les gars, vous aurez besoin d'un complexe, vous aurez besoin du bunker avec le centre d'opération mobile. Et vous aurez besoin d'un garage extérieur. Donc dans le centre d'opération mobile, vous mettrez une Elegy RH8. Donc il vous faudra le dépôt de véhicules personnels en module 3, en module 2 comme d'hab pour les glitches module vide. Ensuite, dans le complexe, vous mettrez bien sûr une Elegy RH8. Donc je vais vous la montrer. En plus, ce qui est cool, c'est que l'Elegy RH8 restera dans le complexe, malgré que la plaque ira sur l'Elegy Retro Custom. Donc là, dans le complexe, il y a bien une Elegy RH8. Et à Del Piero 20, bah, il y a l'Elegy Retro Custom que je vais dupliquer. Donc tout à l'heure, elle était à côté de moi. Donc maintenant, je vais l'appeler. Voilà. Et tant qu'il me la ramène, moi je vais me préparer une activité récente. Donc je fais PS et quand je fais PS, vous savez très bien que malheureusement il y a une petite coupure. Donc je vais attendre que mon Elegy Retro Custom est déjà là. Au moins vous allez voir qu'elle est rouge et elle a une plaque blanche. Donc vous allez appeler votre Elegy Retro Custom tout comme moi. Et ensuite on se préparera une activité récente. Donc vous savez que quand je fais PS, bien sûr évidemment il y a une petite coupure, mais j'ai vu que ça faisait pas non plus trop fort quoi. Donc là vous voyez bien que mon Elegy elle est rouge et la plaque elle est bien blanche et il n'y a pas de numéro dessus. Donc là bien sûr le but maintenant, on va se présenter en face du bunker pardon. Là maintenant on se prépare une activité récente, c'est parti. Voilà, mon activité elle est prête, maintenant j'ai plus qu'à faire la manipulation qui va être d'avancer, et au moment où le bunker va s'ouvrir, vous allez faire 2 fois PS, lancer GTA Online et rester à peu près 15 secondes sur le message d'alerte. Ensuite vous allez quitter, il va avoir un écran soit noir ou un petit écran chelou, mais le but ça va être de se retrouver dans le bunker et dans l'Elegy Retro Custom. Donc c'est parti. Donc n'oubliez pas, le bunker dans le centre d'opération mobile, une Elegy RH8 dans le complexe, une Elegy RH8, une Elegy Retro Custom qui vient d'un garage extérieur, et vous vous préparez une activité récente et vous mettez votre curseur sur lancer GTA Online et vous revenez en faisant 2 fois PS sur le jeu. Une fois que c'est fait, on va se présenter au bunker et dès qu'il s'ouvre, je vais lancer l'activité et je vais rester sur le message d'alerte pendant 15 secondes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et je quitte. Voilà, et un écran noir, et tout comme là, je sais que ça va bien se passer. Voilà, je suis dans le bunker. Par contre, si vous retrouvez dehors, vous recommencez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, une fois que c'est fait, le but, c'est de sortir à pied du bunker. Donc là, la première phase est faite. Maintenant, le but, ça va être de se rendre au complexe. Donc, soit vous prenez un véhicule de Penji, soit vous vous téléportez avec vos activités rapides qui se situent sur la map, ou vous vous mettez en SecuroServe si vous l'avez, et vous prenez un véhicule de la SecuroServe, pas un véhicule personnel. Donc moi, je vais prendre le bizarre d'attaque, voilà. Donc j'avoue, tout à l'heure, oui, j'ai fait le glitch, mais bon, il était quand même assez tôt au matin, et je me suis dit, si l'Elegy Retro Custom est déjà là, on va gagner du temps. Mais j'ai pas pensé aux conséquences. Mais bon, je suis désolé, je vais essayer de me rattraper sur ce coup. Donc là, le but, maintenant, c'est de se rendre au complexe. Donc
profitez les gars, c'est un glitch en solo, en session sur invitation, et je pense que vous aurez quand même jusque mardi pour le faire, je dis bien je pense, j'espère en tout cas pour vous, hein. Ça serait pas mal. En plus ça fait des plaques propres, donc c'est moi je dis ça vaut le coup, voilà. Mais bon, il faut pas mal de matos. Ça aussi, c'est pour ça que quand il y a des activités RP, XP x2, il faut les faire comme ça. Quand il y a un glitch de ce genre, il vous faut pas mal de matos. Ben voilà, vous avez de l'argent de côté et vous vous achetez ce qu'il faut pour faire les manipulations. C'est pas pour rien que je mets des petites vidéos qui payent de temps en temps. Bref. Donc les gars, une fois que vous serez au complexe, ben, vous rentrez à l'intérieur et on va monter dans les légumes ensuite. Donc c'est pas grave si le complexe n'est pas plein, il n'y a pas besoin d'avoir le message complexe plein, donc il n'y a pas de stress à avoir. Bah, vous mettez que des élégies RH8 si vous voulez, mais de toute façon je pense qu'il n'y aura besoin qu'une élégie RH8, puisque j'ai fait une vidéo, et ensuite en refaisant cette vidéo, j'ai voulu racheter une élégie RH8, et bien sûr, bah, y avait celle du centre d'opération mobile je pense. Puisque celle du complexe, la plaque elle a été sur les leggies rétro custom. Donc là je suis dans le complexe et je vais aller monter dans mon élégué RH8. Donc là si je refais le glitch, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en moi et c'est pour ceux qui voilà qui doutent à mort. Je sais que ceux qui ont confiance en moi qui vont le faire avec la première vidéo. Bref. Donc là vous avez vu la plaque, de toute façon l'autre plaque elle est blanche, hein. Là ça finit 13 comme Marseille. Donc là le but ça va être le but de la manipulation, il va falloir faire R2 et flèche du haut, presque simultanément, pardon. Donc R2, flèche du haut, donc c'est parti. Et le but, je devrais me retrouver dehors à pied, ah bah c'est fait. Donc voilà, et en plus avec le portable ouvert, une fois que c'est fait. Par contre, si vous vous retrouvez soit dehors avec le véhicule, ou soit à l'intérieur, en dehors du véhicule, c'est pas grave, vous recommencez la manipulation à partir du complexe. Faut pas tout recommencer. Hein. Donc là, une fois que c'est fait, bah on repart au bunker. Donc il n'y a que deux petits timings à faire, mais franchement les gars, c'est pas des timings de ouf. Dès qu'il y a une cinématique, deux fois PSA, on commence à être habitué. Et au bunker, au complexe, pardon, R2, flèche du haut. Voilà. Mais faites-le pas simultanément, puisque si vous le faites vraiment simultanément, vous allez sortir, vous allez rester dans le complexe, mais avec le portable ouvert, et bah dehors, quoi, dehors du véhicule. Par contre, si vous faites R2, flèche du haut, bah là, vous allez, comme moi maintenant, vous retrouver à l'extérieur du complexe. Puisque j'ai fait deux fois la tentative simultanément et ça me fait rester dans le complexe mais dehors, en dehors du véhicule. Donc je pense qu'il faut faire vraiment R2 flèche du haut, vous voyez. Il faut vraiment faire tac tac, mais pas les deux en même temps vraiment. Enfin bref, vous avez compris. Donc là je me rends au bunker. Et on va voir si tout s'est bien passé en montant dans mon élégie rétro custom. Et c'est comme les leggies rétro custom qui viennent d'un autre garage. Je pense que le garage n'est pas obligé d'être plein. Voilà. Il faut juste avoir une leggie RH8 dans le centre d'opération mobile et une leggie RH8 au complexe. Et les leggies rétro custom dans un autre garage extérieur. Donc là, on va le voir tout de suite. Quand je vais à... Je regarde même pas, je vais faire ça. Et voilà. Donc la plaque de Marseille, elle est bien sur mon leggie rétro custom, donc maintenant je vais la sauvegarder dans le centre d'opération mobile. Voilà, dépôt de véhicule plein, on accepte. Et voilà. Donc pour confirmer le glitch, donc là l'élégué rétro custom, je vais la laisser dans le centre d'opération mobile et je vais appeler mon élégué rétro custom qui est à Del Piero 20. Comme ça, voilà, au moins là, le glitch est fait de A à Z et je n'ai strictement rien raté et j'ai strictement tout dit. Donc j'espère que voilà, que ce glitch passera mieux que l'autre. Là, j'avoue, c'était le matin, je me suis dit, vaut mieux appeler la voiture maintenant, la vidéo, elle durera moins longtemps et ça leur prendra moins la tête. Mais bon, j'ai pas pensé aux conséquences.
Même si il n'y a pas de conséquences à avoir, hein, puisque franchement, j'ai jamais fait de fake. Mais bon. Donc là, je vais faire Mécano, Del Piero 20. Et je vais appeler mon élégant rétro custom. You need something, huh? One of your rides? Donc il n'y en a qu'une, Let de me toute know. façon, elle est là. Donc je l'appelle, voilà. It's coming at you. Et comme ça, j'aurai confirmé le glitch. Et vous me direz, je verrai celle qui aura, bah, elle sera mieux vue. Et j'enlèverai l'autre. Puisque c'est pas l'intérêt de poster deux glitches d'affilée. En fait, c'est pour me rattraper. Puisque si j'aurais effacé l'autre vidéo, le glitch il serait arrivé ce soir sur YouTube. Donc ça, c'est les Legi Retro Custom du départ. Voilà. Donc elle est rouge et la plaque elle est blanche. Voilà les gars. Donc sur ce, j'espère que j'ai rattrapé mon coup. J'espère que mes explications vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Et à bientôt sur GTA Online. Ciao!